your shit, gonna fuck your shit, gonna fuck your shit off. Gonna knock your bitch, gonna bang your bitch, gonna knock your bitch off. Gonna slap that ass, tear apart that ass. What? Gonna fuck your shit, gonna fuck your shit, gonna fuck your shit off. Les amis, donc tout d'abord un grand merci à vous parce qu'on est arrivé aux 200 pouces bleus en seulement quelques heures. Du coup, comme promis, je vous sors la suite aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas vu le lycée des talks précédent, je vous invite à le regarder avant de voir celui-là. Et donc voilà, du coup on est toujours en compagnie de Rodan, Delta et Taiko. Alors vous allez voir que dans une grande partie de cette vidéo, il y a très peu de coupures parce qu'en réalité, j'ai pas vraiment eu besoin d'en faire beaucoup et j'ai préféré vous laisser la vidéo telle quelle. Et bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Et voilà, bref, sur ce, bon visionnage. Et je crois qu'il appelle l'admin, C'est une grosse. En vrai, il balance trop lui. Qui est Alex. Valine. Valin, je sais pas quoi là. Bon, le prof, il est où là? Il fait son cours. C'est pas que je suis un. Eh frère. J'ai beaucoup de contacts. Le mec, il tape le tableau. L'administration, donc maintenant. Vous avez fait un mec. Vous avez fait une place. De quoi contacter? C'est qui Alex? C'est random. Même c'est la Poucave. Ouais, ouais. Mais que je suis en contact avec plusieurs modos, ça intéresse pas, gars. C'est quoi ce bordel là? Tout le monde a sa place s'il vous plaît. Oh, le bâtiment d'ici. Je commence à foutre des vannes là. Oh putain. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Oh comment c'est calme d'un coup là. Oui ouais, y'a Johnny Guitar là. Ok, maintenant tu vas faire ton... Tu vas bien m'écouter, tu vas faire ton cours maintenant. Et tu vas fermer ta gueule. Ouais, c'est carrément ce que j'ai envie de lui dire, mais pour l'instant c'est pas chaud. Ah bon, par contre... Il y a juste un admin en fait, mais pas... Par les... Par les... Non, un peu de respect. D'accord, alors maintenant ça va être clair, vous allez tous vous asseoir sur des chaises. Ah non, bah, on est déjà sur le dossier. Assieds-toi sur le fauteuil et pas sur le dossier. Et vous êtes tous vous taire, vous levez la main pour parler, sinon je vous colle. Oui, madame. Oui, chef. Tais-toi, tais-toi. Toi, genre, oui, c'est ta queue. Mec, ouais, mec, ouais, ouais. Non, vous allez écrire. Mec, si tu balances un visitage, t'es genre, je suis mort. Non, non. Ouais, vraiment est-ce qu'on range crède. Mais là, y'a un problème. En fait, je parle de ta gueule. Eh, le prof, il fait son cours ou ça se passe comment là? Et on va essayer mettre un résistant sans crède. Y'a Rodan qui va venir? J'ai un mot de retard, ça existe le mot de retard. Je sais pas, je sais pas. Oui, c'est exact. Ouais, c'est exact. Non, monsieur, y'a pas de venir. Non, Rentre, arrête de m'appeler. Non, le prochain qui parle, tu te colles, toi tu dégages. Merci. Bonjour, je m'appelle Hassan. Allez, les alcooliques. Bonjour. Elle va grave, oh putain, c'était chaud. Prends, il y a Alex là, encore à côté. Bon, eh ben putain, maintenant j'ai trois choses à dire, d'accord? Les gars, j'arrive. Mec, comment il parle? J'ai jamais fait d'espagnol, j'ai fait que de l'allemand. Voilà, il a raison. Mec, mec, dans un de biche, un square B. Le prof s'en bat totalement les couilles. Du fait que je l'ai bien. Juste Anila, c'est pas la ligne. On sait tous les gars. On est en classe 3. Ouais. Et monsieur, en fait, si on a jamais fait d'espagnol, on peut pas savoir. Eh monsieur, c'est uno, deux, c'est deux. Ok. Estanislas. Ouais. Putain, mais j'ai jamais fait d'espagnol, j'ai fait que de l'allemand. Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Ta mère. Ouais, mais bon, bien, vas-y, moi je me révolte. Écoutez-moi bien, monsieur, vous allez m'écouter. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux, j'ai jamais fait d'espagnol donc. Eh, hey, arrête de me taper. Oh, hein. Ça va. Ils sont sur grave épique. Déjà, la prochaine fois que tu te caches pendant que je te parle, je te fais bouffer ta cravate par tous les trous du cul, d'accord? Ensuite, deuxième chose, t'as pas intérêt à recommencer à se taper, sinon c'est ta tête qui va finir comme ton trou du cul. Et ensuite, tu vas faire d'espagnol, je peux pas faire espagnol. Et quatrième point, j'ai jamais fait d'espagnol, j'ai fait allemand. Voilà. Ferme ta mère, toi. Tout le monde ferme sa gueule. Voilà, tout est dit. Ils l'ont ken. Tu rends le ken, non? T'as compris maintenant? Il est parti, Alex. Prends le casque entre guillemets. Ouais, il est pas là, il est là. Un peu abusé parce que
tire tout ce qu'il faut. Vous êtes le matin pour travailler et là vous faites ma mère. Vous pouvez sortir, toujours. Jean, ouvre la porte. Si, mais Alex, c'est pas micro aussi, mais du Rizita, c'est Alex Balin. Ceux qui font allemand, ils se cassent. Non ? Ou alors c'est de l'écho, je sais pas. Monsieur, je crois qu'il y a un souci dans votre cour là. À virer. Qui fait allemand ? C'est ces mecs de merde là, ils font chier. Monsieur, en fait, vous êtes une bite. C'est bon, je suis rentré. Il y a assez peu qui étaient devant, je suis assis en train. Eh mais revenez là monsieur, monsieur assumez votre cours. Ça me fait pas, je suis seul en CP. Assume ton cours frère. What? Putain, eh là, CPE, elle se calme là. Oh, elle a collé le gros là. Yo la salope là. Allez, s'il te plaît, elle fait rien là. Là, je vais arrêter. What? Il a gueulé quoi? Oh, mec, arrête là. Il a gueulé à la Wagba, non? What the fuck? Mais asseyez-vous, qu'est-ce que vous mais, faites mais ferme, mais... Oh là là. Prof, je crois qu'il est autiste, le prof. Monsieur, je crois qu'on a perdu le prof d'espagnol. Monsieur, c'est un cancer, en vrai. Oh, bon. Très vite. Ok. Non, on le ken, hein. Comment le mec, il a gueulé? Non, le keblo. Tu es un passif, tu n'es pas censé taper les profs. Allez, assieds-toi victime, excusez-moi. Assieds-toi victime. Indiquez le prof, les gars. Maintenant tout le monde s'assoit. Mais genre, mec, tout le monde s'assoit. Alex, tu bistes. Tu la permets, tu vas t'asseoir. Tout le monde va s'asseoir, ok. C'est qui là, Alex, il fait son show? Non, désolé, non, mais le mec il fait trop le show. C'est pas micro, stop, stop, ouais. Vous asseoir, putain. Il est où le prof d'espagnol? Je m'assois à l'envers. Il est passé où le prof, wesh? Il est là, il est là. Oh non, bah attention. Ah, il est là, ça. Mais non, c'est pas lui. Hein. Non, il est là, là, regarde. Odin, Jérémy, allez vous asseoir, putain. Il a changé de métier? Allez, allez, on va s'asseoir. Plus que ça, Alex, allez, go. Odin, Jean. Mais non, il est là. Ah ouais, putain, je confondais avec un autre. Oh non, ferme ta gueule, tu vas t'asseoir, merci. Non, ferme ta gueule, toi. Bon, ok, les gars, on se calme là. Ouais, le prof, tu te calmes. Tu parles sur un autre ton, toi. Le prof va dormir, frère, il est trop tard. Casse-toi. Mais qu'est-ce que je m'en bats? Ça part en embrouille. Eh, dis-le, le mec, dis-le, le fouille droit. Moi aussi, qu'est-ce que je suis chinois de mes couilles. Le prof, il a pas assez de temps, et il assume. Enfin, il assume pas en fait. Bah, en même temps, t'as pas d'autorité. C'est un monsieur. Putain, c'est vrai. Le prof, il a pas d'autorité, tu veux qu'on fasse quoi? Regarde, prends son couille. Tu veux qu'on fasse quoi? Le prof, il s'est mis en femelle. Il se met en femelle, le mec. Fais gaffe, le mec il s'est mis en pute. Pas d'autorité, mais faut quand même la respecter. Bah, ça caractérise mieux une fille en fait. En termes de sa voix, c'est mieux. Vas-y, va bien, on le bloque, on le bloque. On le bloque dans le coin. Vas-y, on le bloque dans le coin. Il va rager, mec. Go, on le bloque. Oh. Ta merde, arrêtez de foutre la merde. Allez, finance, il est en sueur, le mec. Il y a plus de prof, on peut partir là. Ah, mais même, arrêtez de foutre la merde. Mais regardez, à cause de ce con, on est enfermé là. Oh, on est enfermé. On est enfermé. Il y a deux filles dans non, cette classe. Allô, quoi. Une pour moi, une pour vous. Putain, c'est qui la pute qui a fermé? Oui, y a un mec qui s'est mis en prof pour ouvrir. Ah, mais il a pas les clés, il est con. Oh non, mais casse-toi le giton, on veut pas toi. Eh frère, tu sais ouvrir une porte ou ça se passe comment là? Voilà, c'est bien. Oh. On se bat les couilles, Ta gueule, ferme ta gueule. Monsieur, on veut aussi soigner notre autisme comme vous. C'est qui a mis ça? C'est moi, c'est moi. T'as cramé hein? Non. Le mec, ça a duré genre une seconde. Attends, remets un coup. Remets. Vas-y, hein. Demande le pion, tu sais. Le mec, il est placé. Mais c'est pas, il a regardé normal, il a rien fait. On se bat les couilles. Le mec, il a bugué.
monsieur le CP, c'est pour vous dire en fait, c'est pour vous dire un truc. Hier j'ai croisé votre fille et je l'ai un peu baisé quoi. Donc si dans 9 mois vous êtes père, c'est normal hein. Vous êtes grand-père plutôt, vous êtes normal. C'est Dieu le CP quand je te parle. Eh hey, monsieur, monsieur CP. Dis-le la même avec sa mère, avec sa femme. Allez on y va, on y va. Monsieur le CPE, monsieur le CPE. Je suis tout excité. Monsieur le CPE. Oh monsieur le CPE, oh tu réponds quoi. Monsieur le CPE des avant que je te con. Eh monsieur. Non j'ai grandi, je rigole. T'es sérieux. Le CPE est une grosse victime. Oh le bâtard. Il m'a collé. Comment ça le CPE c'est une grosse victime. Eh monsieur le CPE, hier on a croisé votre mère. Putain fils. Les gars, attends, Rodo, il a fait un gros chien. Attends, on est dortoir. En gros, tu vois, il y a des mecs qui étaient dans une salle. Il a acheté la porte, il a fermé. Du coup, ils étaient bloqués à l'intérieur. Tu vas être TP. Bon, bah, les couilles, frère. C'est quoi le nom de mec? Alors, Rodin, c'est quoi ce système? Comment ça, tu parles mieux au CPE? Les gars, on va se calmer. Mais là, ce que je fais là, c'est. Alors, les gars, merde, c'est un Epic VIP. Je suis taille. Change de nom vite mec. Marc là dans non. Je suis taille. C'est quoi ton nom maintenant? Mec attends, c'est bon. Vas-y change, t'as changé ou pas ton nom? Non. Mais je sais pas. Mais genre, quoi, il prend 3 mecs là, il prend 3 personnes, Brooke, truc. Georges. Ah c'est ceux qui. Ah ok. Georges de Bourg. Merde, trop tard. Merde. Il t'a craqué. T'es dans la merde. Merde, je suis dans la merde. Vous êtes où? C'est combien de temps la prison déjà? Ah ouais, merci. C'est 3 heures. Mais les gars, est-ce que vous entendez les mecs à la porte ou pas? Eh les chiens qui sont à l'intérieur, est-ce que vous entendez les mecs? Mais ta gueule, on s'en fout de ton truc. Ah c'est... Comment t'as ragé mec? On est aux fenêtres de la classe 2. On casse les couilles. Non. T'as fait quoi? Mais tu vas faire quoi toi? Tu veux te battre? Cassez-vous d'ici. Eh moi je te défonce. Tu me défonces. On fait trop les fous. Vas-y, et quoi je viens jusque devant. Eh tu vas rien faire frère. Vas-y je t'attends dit que t'es bon par un sens. Mais bon tu fais trop le fou hein. Vas-y je m'occupe ici. Viens là connard. Oh, le pion, viens voir le pion. Eh, viens, faut que je te parle. Eh, viens, sale chien. Eh, tu vas prendre tir. Ah, le pion. Vous êtes où? Ah, le pion. Eh, viens. Ah, vas-y, t'as sauté. Vous êtes où? Viens, viens. Vous êtes où, bordel? Faites gaffe, y'a un derrière classe 2 là. Aïe. Putain, il vient ce con. Tiens. Oh on rigole. C'est pas nous, c'est des frères. Eh gros, t'as pas frère. C'était nos jumeaux. Ah, c'est pas vous. En fait, nous tous là ensemble. C'était un sosie. Hein. Vous êtes dehors? De voix, de physique, d'oreilles, de tout. Vous êtes dehors ou pas? Ouais. Bah, en fait, on a des jumeaux, tu vois. Non, c'est pas nous, monsieur. On vient d'arriver, nous là. Vinon, tabasse à 3. À 3, on l'a. Et on fait des attaques triangle. Attaque quadrilatère, je sais pas quoi là. Vas-y, 3. Mais attends, pas, je suis vite fait, wesh. Non, cassez pas les couilles. Bah, baisez-le alors. Vas-y, 3. Vas-y, les gars, vous êtes prêts? 3. 1. Go. Vas-y, go. Baisez-le. Merde, c'est moi qui ai eu le kill, je déco. Et le directeur il vient, il voit un cadavre, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et moi en plus je l'ai même pas frappé sans faire exprès parce qu'en fait quand je mettais les points ils n'apparaissent pas sur mon corps. Et mec ils ont passé, genre quand il est mort t'as sorti les points mec. Mec j'ai changé de nom. Et je m'appelle Rodan t'as déco. Ouais. Allez, fini vite là. Je vais pas aller.
passe crème en fait ça. Et clic droit c'est sur de la couleur. Vous êtes encore sur ce call là? C'est de la bonne. Je mets de la bonne dans ma chicha. Eh les connards, vous êtes encore sur School RP ou pas? C'est qui trop cher, allez, c'est qui trop cher. Ah, tu veux... ah c'est de la bonne frère. Tu veux quoi? Eh oh les salopes! On est dans ton fion frère. Non mais vous êtes encore genre. Ah, sentez hein cette odeur majestueuse. Vous comptez faire un autre truc après ou? Et venez, non on fait un aqua ici. Ah bah non en fait. Oh! Oh le respect a disparu. Donc déjà là on va se calmer, déjà là c'est mon cours, déjà pour commencer. Mais viens là. Oh le bâtard. Voilà, ouais, c'est quoi ça? Et pour moi, est-ce que si on mélange une molécule d'azote et une molécule de S8, est-ce qu'on est mais attends, qu'est-ce que... Mais tu te fous de ma gueule là, on n'est pas en chimie là, mais... Tu sais, t'es courant de tout, hein. Vous savez encore, je venais d'arriver en seconde. C'est comme ça que vous travaillez là. Ferme ta gueule mec, t'as pas ton bac à caisse, tu parles. Ouais bon. Ça passe comment là? Voilà, t'étais déboueur avant, arrête de parler. Monsieur le prof et Dimitri. Et y'a combien de panettes? Y'a combien de panettes? C'est le pion, je sais plus que c'est écrit. Non mais... Je suis là, laisse-moi le gros là. Non mais dis-moi y'en a combien mec? Interrompez-moi s'il vous plaît. Y'a 8 planètes, y'a 8 planètes. Eh hey Dimitri, il y a 9 planètes qui ont compte ta mère. C'est pas bien de parler du professeur comme ça.